Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode et pour cette nouvelle saison sur Audicube. Très content de vous retrouver pour la saison 4, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ça faisait un petit bout de temps, le vanilla m'avait manqué. En tout cas, franchement, super content de vous retrouver au spawn. Donc c'est exactement là qu'on a spawné en fait, quand on a généré le monde. Et donc 1.13 Aquatic Update, comme vous le savez, voilà, on était au taquet sur la sortie de l'Aquatic Update. Et plusieurs choses à vous dire pour cet épisode, vraiment plusieurs choses, notamment voilà, poser un petit peu les bases de cette nouvelle saison. Donc pas mal de petites modifications. Donc déjà voilà, on est en Aquatic Update, donc on bénéficie vraiment de toutes les nouveautés qu'il y a dans cette version, hein. On voit déjà ici dans l'eau les petits poissons, tout ce qui est un peu algues, etc., le corail et tout. Donc là-dessus, ça fait plutôt plaisir. Et d'autres modifications bien sympas, c'est-à-dire que voilà, on s'est mis des règles, interdiction de dormir sur le cerf tant qu'on n'a pas fait le dragon, histoire de se faire un petit peu plier par les fantômes. D'ailleurs, je pense que là-dessus, l'ouverture a été faite en live, donc je vous montrerai un petit peu tout ça, avec à mon avis des petits clips qui seront intégrés tout au long de l'épisode. Et donc voilà, on a popé juste ici. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des avancements? On a mis pas mal de trucs custom au niveau des avancements. C'est-à-dire que là, vous voyez, voilà, un petit pirate, tuer Bill Silverlight, tuer Davlek, je ne l'ai pas encore fait, tiens, il faudrait que je le fasse. Une bonne douche, ça c'est quoi? Saler comme un breton, tuer Ryan. Donc vous voyez qu'on a, on a mis des petits avancements custom, et d'ailleurs il va y avoir des trucs très sympas au niveau des avancements, hein. On va intégrer en fait des avancements qui vont être sous forme de clin d'œil par rapport aux saisons précédentes qui ont été faites par chaque membre du serveur. Tout en haut, vous voyez qu'ici, là, on a une jolie petite barre avec marqué 8,50. Et donc ça, c'est magie. La petite cloque qui est ici permet en fait, vu que de base, l'objet ne sert pas à grand chose, nous on l'a détourné pour que ça nous permette d'avoir l'heure in-game et du coup de déterminer s'il fait nuit ou s'il fait jour. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout au long de cet épisode, je vais vous expliquer un petit peu, alors je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait et je vais vous expliquer très rapidement un peu voilà, le thème, les règles, etc. Donc on va aller déjà de l'autre côté. Hop, voilà, nous y voilà de l'autre côté, donc là où on a installé pas mal de choses en mode bordel, voilà, on va pas se mentir. Par contre l'avantage c'est que voilà, on a tous un petit peu mis en place pas mal de petites choses à droite à gauche, et il va y avoir beaucoup de trucs très intéressants. Donc là déjà, c'est mon petit bordel, donc ce que j'ai fait, et d'ailleurs je vais vous solliciter là déjà dès le premier épisode, c'est qu'en gros pour faire simple, l'ouverture je l'ai fait en live, et au moment où je vous sors cet épisode là j'ai fait un deuxième live en fait, donc live d'ouverture plus un deuxième live un petit peu farm, etc. Et l'idéal ce serait que je vais vous mettre un petit sondage en haut à droite, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été demandé durant les lives, c'est est-ce que tu vas faire des rediffusions, etc. Et donc la question, hop là, voilà, on va récupérer ça. La question et la réponse est très simple, c'est est-ce que du coup ça vous intéresse d'avoir les rediffusions de live, oui ou non? Donc mettez ça dans le petit sondage là-haut, et puis bah comme ça, ça me permettra de voir un petit peu si moi je vous mets ça en rediff sur YouTube. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, beaucoup de choses de récupérer, pas mal de lapis, de redstone, etc. Et j'ai mis de côté donc 35 diamants, parce que j'ai trouvé pas mal de diamants, parce que là-dessus, pour l'instant, je suis toujours en stuff full iron. La raison elle est simple, c'est qu'avant de faire ma petite panoplie entre guillemets full diams, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 bouquins mending, donc forcément le but du jeu c'est de pouvoir mettre ça sur mon armure, parce que du coup ça me permettra de pas me faire chier après à refaire, à réparer, à refaire des armures. Donc les mending sont ici, là ici vous voyez un petit peu le truc se dessiner, beaucoup de trucs, hein, melon, carottes, pommes de terre, papier et tout ça, et ces jolis items. Bonjour les petites tortues. Bon, les tortues elles sont sympas dans la mise à jour, ça fait plaisir, parce que les fantômes, oh putain. Encore une fois, je vais vous mettre quelques petits clips concernant les fantômes, et ça a été un vrai bordel, ce premier épisode, enfin cette ouverture de live avec tous les fantômes. Donc ici, Trade Farm. Donc en fait, on a un petit PNJ, vous avez une petite boucle infinie qui est très simple. Vous partez sur les ressources les plus simples, c'est-à-dire vous prenez du blé, des pommes de terre, des carottes, des pumpkins et du melon. Vous farmez des diamants
Hop là, comme un cochon, et ensuite vous vous rendez ici. Bonjour monsieur le mending. Et là vous avez pour 24 émeraudes et un bouquin du mending. Sachant qu'on peut le reset très facilement avec du papier, donc c'est pour ça que j'avais autant de ressources. Et donc ici on s'est fait un petit setup avec différents PNJ, hein. Donc là on a le trade. Ici on a le channeling, luck of the sea, mending, silk touch, et frostwalker, mais le silk touch qui est intéressant, efficiency, ici riptide 1 et sweeping edge. Et comme vous pouvez le voir au mur, on a une petite tête, une tête de fantôme, parce qu'on a intégré en fait dans cette saison au Holicube quelque chose de très très intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tiens on va ramasser ça en même temps. Quelque chose de très intéressant avec un looting 3, quand vous tuez les différents mobs, on a du coup une chance de dropper les têtes de mobs. Et ça rajoute un petit truc, je trouve, à la saison en fin de compte, parce qu'on va pouvoir vraiment dropper un peu toutes les têtes de mobs comme ça, ce qui est vraiment intéressant et vraiment sympa, je trouve. Alors hop, je ramasse très rapidement la canne à sucre pour pouvoir choper du papier. Et après, alors le classico classique ici, tiens, Hypier est là-bas d'ailleurs, il est sur une ferme AFK, donc ferme AFK de pêche, c'est ce que j'avais fait lors de la saison précédente, donc vous voyez, il est planqué. Ah, mais il pêche pas, si? Non, il pêche pas, c'est marrant ça. Donc là, vous avez deux fermes. C'est tentant, lui, hein, c'est tentant, mais bon. Deux fermes AFK au niveau de la pêche. On a les vaches. Bien évidemment, je pense que là-dessus, vous vous en doutez. On a déjà ouvert le Nether. Donc ici, voilà, usine à poulettes. Donc c'est ce qui nous permet de récupérer un peu de chicken. Et je vais très rapidement. Hop là, c'est de l'autre côté. Très rapidement ici. Hop. Et tout en bas de la mine, c'est là où on s'est installé plusieurs choses, bien évidemment pour pouvoir avancer sur toutes les ressources de base, etc. Donc le temps d'aller vous montrer ça, je vous explique un petit peu. Donc on est sur un thème au niveau du spawn qui va être de l'aquatique. Le but, ça va être de builder full sous l'eau, ce qui va être très sympa. Et au niveau du thème du spawn, on va partir sur tout ce qui est renaissance. Donc renaissance, pour faire très simple, pour ceux qui n'ont pas forcément la référence, vous prenez du Bioshock par exemple, vous prenez du tout ce qui est autour de, par exemple, Jules Verne, etc. Et ça vous donne l'idée. Donc là, on a encore. C'est une usine à pêche, ça aussi. Hein. Il y en a trois sur le serve. Donc trois petites usines à pêche, les LDR3. Et donc ici, vous voyez, voilà, on a tous nos stocks de cochons pour pouvoir aller faire les trades avec les PNJ là-haut. Le portail du Nether qui est ici, bien évidemment, parce qu'on l'a ouvert, histoire de pouvoir débloquer les potions. Parce que là, par contre, là, il y a un truc qui n'a pas changé. On est en ultra hardcore. Et là, je vois que Davlek est AFK aussi. Tout le monde est AFK sur serveur. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais bon, voilà. Par contre, les têtes de fantômes, c'est tombé. Hein. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'idée, thème Renaissance. Pour l'instant, j'ai pas encore choisi le spot de où j'allais m'installer. J'anticipe un petit peu, hein, mais oui, on est sur une saison avec Mexicain. J'ai pas encore choisi de Mexicain et je ne sais pas encore si je ferai une saison avec Mexicain. Par contre, j'ai déjà quelques idées sur le thème du spawn, enfin du spawn, le thème du biome où je vais m'installer. Pour l'instant, je ne vais pas vous donner d'infos là-dessus. Je vais un petit peu patienter là-dessus. Je vais encore attendre le temps de peaufiner et être sûr d'aller dans cette direction-là. Mais en tout cas, voilà, vous avez un peu toutes les règles générales et tout ce qu'il faut retenir. J'ai plus de place tellement c'est le dawa. On va le mettre ici pour le papier. Mais ça vous donne un petit peu l'idée globale de tout ça. Donc là, il est 18h20. Vous voyez ici, 18h30. Donc effectivement, la nuit est en train de se coucher. Et c'est pas la Miricorée. Donc là, on va être gangbangé par des fantômes de partout. Et donc moi, ce que je vous propose, tout simplement, c'est que pendant que la nuit se couche, je vais vous mettre quelques petits clips des deux lives que j'ai pu faire. Et puis des quelques petites péripéties qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu quand même quelques petits trucs très sympa qui sont arrivés. Sachant que ce que j'aimerais faire, faudrait add un rayon de non-spawn pour les blazes. Nanana. Ah ouais, ok. Et donc ce que je voudrais faire, moi, je sais pas si je vais réussir à en avoir pour le premier épisode, c'est le seul truc qui me fait chier, c'est que on a trouvé un chunk à slime. Le gros problème, c'est que les slimes ne spawnent pas parce que bah, on n'a pas éclairé. Bon, bonjour. Bonjour. Les slimes ne spawnent pas, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Voilà, tir rectifié, 5 slime balls. Eh, c'est le bonheur ou pas? Ok, pour info, j'ai passé 20 minutes à essayer d'avoir des slimes et ça pouvait pas. Donc nickel. Bref, je vous laisse avec les quelques petits clips qu'il y a pu y avoir pendant les lives. Il y a eu beaucoup de trucs très sympas et très marrants. Ah, chauve-souris. On peut avoir des têtes de chauve-souris. Ah mais je suis con, j'ai pas le looting. Merde! Bon, c'est pas grave. Donc, avec une looting 3, vous avez une probabilité d'avoir des têtes de chauve-souris. Donc, on verra ça plus tard. Bien évidemment, la looting, j'aimerais l'avoir assez rapidement. Toujours est-il que, voilà, pour l'instant, je vous laisse avec les quelques petits clips qu'il y a pu avoir pendant le live. Les lives, des petits clips très sympathiques. Et on se retrouve juste après.
J'ai mis des cannes à sucre dans le coffre qu'il y avait derrière les squelettes. Je sais pas qui il est. T'as mais. Allez, ciao, ciao. Ciao, Bonne nuit, Oda. Duff. Bonne nuit, des bisous. Bonne Eh, nuit, par Duff. contre, les fantômes sont venus et moi je vais. Oh mon dieu! Hop là, est-ce que j'ai du cuir? Ça, c'est bien, ça. Pas de cuir. J'en ai. Putain, le fantôme! Non! You suck too! Oh shit, merde! Merci! Je suis K974. Oh là là! Eh, mais les fantômes! Ah, mais le mauvais! Le mauvais! Ah, tiens, Dave, tu te rappelles aussi de ce que j'ai pu. De ce que j'ai tiré tout à l'heure? Enfin, tout à l'heure, pendant mon live 24 heures? Oui, complètement, ouais. Ouais, tu te rappelles? T'as tiré quoi? Tu crois, bah, tu crois que c'est le moment ou pas? Ah, bah, c'est quand tu veux, hein. Ah, mais ça, ça pue la merde, ça. Casse-toi! Oh, mais quel enfoiré! Mais non, mais vous êtes sérieux, les mecs! Oh, quel objet! L'objectif, c'est parfait! T'as été tiré au sort sur la game du pauvre, je suis désolé, hein! Putain, les pires, total. Quoi. J'ai le tirage, j'ai les blagues d'après et j'ai la mort, c'est parfait! Ah, l'enfoiré, quoi! Moi, j'étais tranquille! Mandinge. Par contre, il faut que tu mettes plus de psy, non, Pierre? Faut que t'en mettes autour. Mandinge. Ouais, mais je vais en mettre autour, mais pour l'instant, je mets de l'eau. Ouais. Je mets les sources une part. Tu vas stream toutes les semaines? Ouais, je vais essayer de stream toutes les semaines. Exact. Putain, ça coûte cher les enclumes, le mec. Bon, je savais que j'avais pas de tuer, mais bon, merde quoi, allez. Alors, on se retrouve alors de nuit, certes, au niveau du spawn, après ces quelques petits clips assez sympas et assez marrants qu'il y a eu pendant les lives, donc il y a eu plusieurs petites séquences vraiment cool, mais voilà, du coup je me suis dit que ces quelques petits trucs, c'était les moments les vraiment les plus marrants. Donc au niveau du spawn, où chacun a un petit peu contribué à sa manière à améliorer la vie de tout le monde, entre guillemets, hein, voilà, et monsieur Hyper là-bas qui est en mode AFK au niveau de l'usine à pêche, une deuxième usine à pêche, des vaches, voilà, il y a plein de trucs ici. Et donc, je me suis dit, on va contribuer un petit peu. Alors déjà, première chose, hein, très très mauvaise idée, redstone de nuit, c'est pas du tout le bon plan, je vois pas de fantôme là pour l'instant, donc ça m'a l'air pas mal, mais c'est pas le bon plan normalement, mais c'est pas grave. Et donc, le but du jeu un petit peu là, ça va être de, alors non seulement... Comment dire, contribuer un petit peu, voilà, d'une certaine manière, à améliorer les choses pour tout le monde. Mais après, forcément, j'ai envie de vous dire, surtout une utilité principale, parce que moi j'en ai vraiment besoin en ce moment, c'est-à-dire que j'en ai marre en fait de farmer. Attends, dispenser, c'est bon. De farmer à la main tout ce qui est carottes, patates, etc., pour pouvoir me faire des émeraudes. Donc j'aimerais quand même pouvoir faire ça de manière un petit peu plus industrielle et un peu plus rapide. Et il se trouve que la bonne nouvelle, c'est que on a en fait un spawner à squelette, on ira faire un tour très rapidement après ensemble, où on peut récupérer de la bonne mille très facilement, en très 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 grande quantité. Et je me dis, ouais, vas-y, c'est bon quoi, on a le spot, on a ce qu'il faut. Donc on va partir là-dessus, en gros, tout simplement. Donc un petit peu de redstone très très rapide. Alors on est en 1.13. 1.13... Oui, en 1.13, voilà, c'est ça. Hein. Donc il y a des systèmes qui sont un petit peu plus simples en 1.13.1. Donc là, bon, l'avantage, c'est que déjà, voilà, on peut jouer un petit peu avec ça ici au niveau de l'eau. Hein. Je sais pas pour ceux qui, si vous le savez ou pas, mais voilà, on peut avoir juste un petit creux d'eau ici qui est plutôt cool, je trouve. En tout cas, visuellement, c'est plus sympa. Hop là, ici, on fait ça. Très très bien. Alors je me suis crafté plein de trucs, hein. J'ai essayé des choses, mais il y a des choses qui sont pas encore opérationnelles dans cette version, donc il faut faire quand même attention. J'ai des sticky pistons, ouais, j'en ai. Cool, donc on va mettre un sticky ici et on va mettre une dalle. Donc le but du jeu, si vous voulez, c'est que voilà, la dalle ici va me permettre d'assombrir l'endroit qui est là, et du coup quand il fait sombre, ça permet de faire des pop en fait tout ce qui est bouffe. Donc ça, c'est un élément qui est ultra important, parce que c'est grâce à ça qu'on va jouer, et c'est un peu là-dessus que réside le principe un peu de vos speed farm en fait, de tout ce qui est un peu nano farm, speed farm. C'est-à-dire que du coup, on spamme de bonne mille, et la bonne mille, non, ça sert à rien de passer par là, on va se faire un petit truc propre. Et la bonne mille, en fin de compte, elle est spammée tellement rapidement que du coup, on se retrouve à avoir, si vous voulez, alors je réfléchis, il faut que je fasse ça comme ça. Entre le moment où la bonne mille fait pousser le légume, donc la carotte, la pomme de terre, etc., et le moment où la dalle
revient dans sa position et donc assombrit à fond le truc, ce qui va se passer, c'est que la carotte ou la pomme de terre, elle va dépop complètement, en fait, de l'endroit où elle est. Sauf que bah, du coup, quand elle est en mode full maturité, et bah, c'est parfait, en fait. Et c'est ce qu'on veut, en fait. On veut qu'elle soit full maturité. Vous allez voir. Vite comprendre. Hop, une petite dalle ici. Une petite dalle ici. Parfait. J'ai des blocs. Yes, sir. On va faire ça. Ici, je pense que ça, ça devrait être good. Par contre, t'es pas censé être allumé. Voilà, t'es pas censé être allumé. Donc, tu te calmes tout de suite. Donc, sur le principe, en gros, ici, là, vous avez une speed clock avec le burn des torches qui permet de spammer comme un cochon. Et c'est ce qui fait que les 4 dispensers tournent à fond. Clac, 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 et envoie les trucs. Ensuite, les pistons ici me permettent juste de faire des allers-retours propres. Donc, vous prenez vos carottes qui sont ici. Donc là, j'en ai 50. Je me mets ici au niveau de la dalle, d'accord. Et là, je n'avance plus. Parce que si j'avance, je vais me prendre des dégâts. J'enclenche. Vous visez ici votre bloc de dirt. Donc, soit avec des carottes, soit avec des patates, soit avec ce que vous voulez, d'accord. Ensuite, vous arrêtez le système. D'accord, donc la dalle s'est arrêtée ici, peu importe. Et ensuite, j'ai des carottes qui sont glitchées. Ah, voilà. Bon, là, vous avez vu, j'ai remis un petit coup de levier speed pour pouvoir récupérer. Donc, bon. Et du coup, j'en avais 50 et je passe à 64 plus 11. Donc là, on s'est fait quoi? On s'est fait 25 de plus. 25 de plus. Quand tu sais que c'est chiant de ramasser des carottes, voilà quoi. Ça me permet d'avoir un petit truc, on va dire une petite usine de fortune, mais qui marche plutôt bien et qui a un bon rendement, donc qui est quand même plutôt pas mal. Après, il y a des systèmes qui sont un peu plus optimisés, enfin plus optimisés, pas forcément plus optimisés au niveau de la redstone, mais plus performants et qui ont un débit plus rapide. Mais pour ça, il faudra qu'on soit en 1.13.1, donc ce qui n'est pas encore le cas. Bref, bon. On va laisser ça ici, hein. Du coup ça permet d'avoir un petit système, et surtout pour moi de pouvoir farmer un petit peu, donc ça fait toujours plaisir, hein. J'ai envie de dire, dès le premier épisode, paf, un petit coup de redstone, c'est cool, voilà, on a farmé un petit peu, on s'est fait des petits trucs, nickel, donc là-dessus on est bon. Je vais juste vous montrer quelque chose, alors déjà, tiens, le petit tab au passage, hein. Bim, j'ai 7 morts, vous l'avez vite compris en voyant les clips, ça, c'est parti en cacahuète assez rapidement quand même au niveau des lives, mais c'est normal, le but là c'est de bourriner et de favoriser le multi le plus possible, et puis bah, plus on est de fous, plus on rit, plus on fait les cons, plus on se met sur la gueule, et vous connaissez la suite, hein. C'est un petit peu ça, donc forcément je suis déjà à 7 morts. Là maintenant, le but c'est de... Voilà, il y en a quelques-uns là, il y a des morts en fait qui vont arriver, hein. ça va forcément se titiller, c'est toujours un peu la même chose. Donc ça va arriver, ça c'est clair, ça c'est clair et net. Alors, je vais juste vous montrer ici Rapidos, parce que du coup, d'ailleurs je vais en récupérer d'ailleurs, hein, parce que tout à l'heure j'ai fait un tout petit peu de farm d'XP avec les squelettes, pas un truc de ouf, mais j'en ai fait un petit peu. Et donc ici, au niveau du spawner à squelettes, hop là, voilà, c'est là ici qu'on a aménagé. D'ailleurs il y a quelqu'un qui est en AFK, non? Bah il y a Alps. Bon de toute façon on va lui laisser ses squelettes, hein. Donc voilà, il y a notre ami Alps ici qui est en train de farmer bien gentiment, hein. Donc on a nos skulls qui sont ici. Et après vous voyez, voilà, là on a du stock, on a les arcs, on a la bonne mille. Donc il y a des trucs un petit peu en mode random, etc., hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu un peu le stock du truc, on est bien. Donc je vais récupérer ça, comme ça va me permettre de re-remplir l'usine. Petit coucou. Et voilà, c'est un petit spawner aménagé de fortune, j'ai envie de vous dire, mais qui est quand même plutôt efficace pour un début d'aventure comme ça. Bon, dans tous les cas, dernière info qu'il faut que je vous donne, très importante. Merde, c'est pas par ici qu'il faut que j'ai du mal à chaque fois. Hop, donc ce que je vous ai dit, je compte sur vous au niveau du sondage pour y répondre, pour voir un petit peu comment je m'organise et pour que vous puissiez suivre les choses de la meilleure des manières. Mais il y a aussi autre chose. Alors attends, hop, on va passer par ici. Clac, 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 clac. Il y a aussi autre chose qu'il faut que je vous dise, c'est que pour l'instant, ça sert à rien de demander. On est en train de voir justement, on est en train de préparer, surtout finaliser les choses. On vous donnera la seed de la map, pas de soucis, donc soyez un tout petit peu patient. Et on vous donnera aussi le datapack de la map. Donc on vous donnera la seed, le datapack, donc vous aurez tout au moment voulu. Et quand ce sera disponible, à ce moment-là, je vous donnerai l'info. Donc pour l'instant, ça sert à rien de spammer. Ça va venir les gars, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On a fait déjà pas mal de petites choses. Tiens, je serais curieux de savoir combien d'heures de jeu j'ai, juste par curiosité du coup. Parce que vu qu'on a fait quand même pas mal de petites choses, de petits farms à droite, à gauche, c'est toujours intéressant de voir combien d'heures de jeu on a, alors que, en fin de compte, en vrai, hein,
c'est encore le bordel et on n'a pas fait non plus 3 milliards de choses. Où est-ce que tu es? Ah, Since Last Rest, c'est celui-ci? Ouais, je crois que c'est ça. Donc en gros, j'ai joué 0,79 heures. Ah bah non, c'est pas normal ça. Non, j'ai pas joué 0,79 heures, monsieur. Item enchanté, mob kill, distance, damage, distance. Attends, général. Ouais, je suis sur le général. Game kit, distance. Hein? Il y a un truc qui est bizarre, je vois pas le. Oh! Alors, je viens de découvrir un truc. Ici, le menu déroulant. Si je le fais défiler, et ben, je plante! Ça crache le jeu, donc faut faire attention. Et puis au passage, j'ai vu aussi que le time played, il est ici, donc j'en suis à un peu moins de 10 heures de jeu. Mais je me dis, je suis en train de vous sortir le premier épisode qui va faire une vingtaine de minutes, je suis déjà à 10 heures de jeu, donc ça c'est fat. Par contre, ici, ça plante. Donc à mon avis, il y a un truc qu'on a modifié qui est pas clean et qui pue un peu du cul. Mais bon, voilà, bref, on s'occupera de ça plus tard, il faudra que je le remonte aux copains. En tout cas, je compte sur vous pour un super méga accueil pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas le petit sondage. Et puis, bah pour le coup, vu que les lives ont été lancés, ça y est, n'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo pour aller checker du coup le lien vers la chaîne Twitch qui vous permettra du coup de suivre les lives tranquillement si vous voulez vous poser un soir et papoter un petit peu dans le chat avec moi avec grand plaisir. Donc, hop, ma bonne mille, je vais recharger ça tranquillement hors caméra. Merci à vous d'avoir regardé. Pas de fantôme, on est bon. Des très gros bisous et du coup, rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao tout le monde!